Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ?» C'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes lunettes. J'ai voulu partager un petit peu sur cet évangile où il y a beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup d'encouragements à recevoir aussi pour les pasteurs, les prêtres, ceux qui ont la mission d'annoncer la parole de Dieu. Et merci. Donc là, nous sommes dans une situation où Jésus a prêché à Capharnaüm sur l'Eucharistie, certainement, hein, où il a annoncé. Que celui qui mangeait sa chair et buvait son sang, voilà, que sa chair était une nourriture, que son sang était une boisson. Et ça a été très fort, et des disciples là lâchent. Nous allons voir que ça fait partie du chemin du Christ. Et alors je suis tombé sur un texte de Maria Valtorta, que je trouve très bien. Alors, comme me disait une missionnaire hier, tu devrais lire Maria Valtorta, malheureusement, je n'ai pas trop le temps, parce qu'on ne peut pas, il faut sélectionner, mais je sais qu'il y a des choses très bien. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, ou qui disent, oh le père, là, ça y est, maintenant il lit Maria Valtorta, parce qu'on reçoit toujours des retours, vous savez. Alors, je dirais, écoutez, il y a des papes qui ont lu Maria Valtorta, il y a le Padre Pio qui dit, vous ne pouvez pas, vous devez lire, Madre Teresa, lisez Maria Valtorta. Bon, comme je ne suis ni Mère Teresa, ni Padre Pio, et ni pape, donc je vais lire Maria Valtorta, si je me trompe, écoutez. Mais c'est excellent. Alors donc, le discours sur le pain du ciel dans la synagogue de Capharnaüm. Mais après, nous allons partager sur certains petits points ensemble. Donc, il y en a qui disent, là, « Mais cet homme est fou. Qui peut vivre de cette façon ? Dans notre religion, il n'y a que les prêtres qui doivent se purifier pour offrir la victime. Lui, ici, il veut faire de nous autant de victimes de sa folie. Cette doctrine est trop pénible et ce langage est trop dur.
qui peut l'écouter et le pratiquer ? Murmure-t-on dans l'assistance, dont plusieurs sont des disciples réputés tels. Les gens se dispersent en commentant et les rangs des disciples paraissent très réduits quand le maître et les plus fidèles restent seuls dans la synagogue. Ça s'en va. Je ne les compte pas, mais je pense qu'on arrive à peu près à une centaine. Il doit donc y avoir une forte défection, même dans les rangs des anciens disciples, depuis longtemps au service de Dieu. Parmi ceux qui sont restés, il y a les apôtres, le prêtre Jean, le scribe Jean, Étienne, Hermas, Timon, Hermastée, Agapé, Joseph, Salomon, Abel de Bethléem, etc. Abel, l'ancien lépreux de Corasaïn, avec son ami Samuel, Élie, etc., Philippe, puis tout un tas d'autres là. Tous ceux-là parlent doucement et commentent la défection des autres et les paroles de Jésus, qui reste pensif, les bras croisés, appuyés à un haut pupitre. Vous êtes scandalisés par mes paroles, dit Jésus, et si je vous disais que vous verrez un jour le Fils de l'homme monter au ciel, où il était auparavant, et s'asseoir à côté du Père. Et qu'avez-vous compris, assimilé, cru jusqu'à présent? Et avec quoi avez-vous écouté et saisi? Seulement avec ce qui est tout humain? C'est l'esprit qui vivifie et a de la valeur. La chair n'a rien à y voir. Mes paroles sont esprit et vie, et c'est spirituellement qu'il faut les écouter et les comprendre pour y puiser la vie. Mais il y en a beaucoup parmi vous dont l'esprit est mort parce qu'il est sans foi. Il faudrait le dire, c'est toujours un problème de foi. Beaucoup d'entre vous ne croient pas vraiment, et c'est inutilement qu'ils restent auprès de moi. Ils n'y trouveront pas la vie, mais la mort, car ils restent, comme je l'ai dit, par curiosité ou par affection humaine, ou pire, dans une intention encore plus indigne. Jésus savait. Ils n'ont pas été amenés ici par le Père. Personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. En récompense de leur bonne volonté, mais par Satan. Personne en vérité ne peut venir à moi si cela ne lui est pas accordé par mon Père. Partez vous aussi, vous qui restez difficilement parce que vous avez honte humainement de m'abandonner, mais qui avez encore plus honte de rester au service d'un homme qui vous semble fou. Est dur. Partez. Il vaut mieux que vous soyez loin pour nuire. Plusieurs autres disciples se retirent alors, parmi lesquels le scribe Jean et Marc, le Gérasénien possédé, guéri par Jésus, qui envoya les démons dans les ports. Les bons disciples se consultent et courent derrière ceux qui ont abandonné en essayant de les arrêter. Il reste maintenant dans la synagogue Jésus, le chef de la synagogue, et les apôtres. Jésus se tourne vers les 12, désolés, regroupés dans un coin. Voulez-vous vous en aller, vous aussi? Il dit cela sans amertume, sans tristesse, mais avec beaucoup de sérieux. Dans un élan douloureux, Pierre lui dit, « Seigneur, où veux-tu que nous allions? Vers qui ?» Tu es notre vie et notre amour. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Nous savons que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Si tu veux, chasse-nous, mais nous, pour notre part, nous ne te quitterons pas, pas même, si tu ne nous aimais plus. Extraordinaire. Une parole qui doit encourager les pasteurs, les prêtres, ceux qui prêchent la vérité. Si vous prêchez, si on prêche la vérité, c'est-à-dire ce n'est pas un discours qui va aller dans le sens du poil, comme on dit, hein, pour essayer. Aujourd'hui,
on voit Dieu, mais dans la grande fraternité, vous savez. Il faut plaire à tout le monde, il faut plaire à un tel, il faut plaire à un tel, il faut que tout le monde soit content. Donc, là où on est tous ensemble, hein, nous irons tous au paradis, hein, un petit peu. Alors là, on dit, ah, il y a le bon Dieu. Non, non, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est, on a fabriqué des espèces de simulacres, de choses où on pense que Dieu est là, mais c'est pas Dieu, ça. C'est pas Dieu. Là, l'Évangile. Tous l'abandonnent parce qu'il est fou, il est dur, les paroles, parce qu'il y a une sélection, la parole de Dieu, et c'est le glaive de l'Esprit-Saint. N'oublions pas ça, Éphésiens 6, donc c'est pour nous purifier, comme la croix est un don de Dieu, parce qu'elle nous secoue et elle nous fait crier vers Dieu et nous entrons dans une union plus grande à Dieu. Aujourd'hui, non, la croix surtout pas, on va prier pour qu'elle disparaisse. Ah, que je sois pas malade, ah, que je sois ceci, ah, que je puisse cela, que celui-là... On va prier justement pour éviter la croix. Alors que la croix est le plus grand des cadeaux que Dieu peut nous faire dans la vie. Il n'y a rien de plus grand que la croix, et il n'y a rien qui nous assure plus le ciel que la croix. Bon, ça c'est un... Fermons la parenthèse. Donc là c'est dur, parce que c'est une parole qui va fort, et qui va au cœur du problème. Et alors, bon, les gens s'en vont. Bah, on en a tous fait l'expérience, les pasteurs. Regardez, un pasteur, un évêque, un prêtre, un prédicateur qui dit la vérité, il va recevoir... Il va être bombardé par partout, de partout. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est une loi. Hein. Jésus a parlé de choses qui dépassent, hein, l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ, celui qui mange ma chair et boit mon sang. Et je me disais, oui, c'est des choses qui les dépassent, ils n'acceptent pas ça. Pareil aujourd'hui, quand on parle de la divine volonté. Quand on parle de la divine volonté, vous vous imaginez? Le plus grand des prodiges, l'achèvement de toute la création, qu'on ne peut pas aller dans le passé, dans le présent, dans le futur. Tout ce que Jésus nous dit sur sa mère, sur l'Eucharistie, sur Adam, sur toutes ces choses, c'est extraordinaire. Là, on passe, on dit, oh non, ben là, il est fou, ça ne tient pas debout. L'amour de la croix, tout ce qui est renouvelé dans l'effusion de cette Pentecôte que nous offre la divine volonté qui est aujourd'hui... Là, au milieu des créatures, que Louisa est la troisième œuvre de Dieu, après la création, après la rédemption par Jésus et Marie, hein, vient ce don, le plus grand des dons que Dieu a fait à l'humanité, dit-il, hein, le don de la vie dans la divine volonté. Bon, on en est au début, mais maintenant, en prêchant ça, on passe pour des fous, on passe pour des mystiques, des illuminés, des fanatiques, des hérétiques même, vous voyez, tout ça, bien sûr, hein, ça c'est... Voilà, et pourtant, c'est Jésus qui parle. Et alors, ben, des gens vont s'en aller. Si vous prêchez la vérité, vous allez perdre des gens. Hein. Vous n'allez pas remplir l'Église. Ah non. L'Église serait remplie si vous passiez votre temps à faire des miracles. Alors là, faites que Jésus fasse des miracles dans les Églises, guérisse. Moi, je me souviens, dans l'émission, là, on attirait les gens parce qu'il y avait des signes. D'ailleurs, il le dit, vous êtes attirés, voilà. Les signes de guérison. Tout le monde vient pour guérir, tout le monde vient pour être mieux, tout le monde vient pour être libéré de ses péchés, de ses démons. Regardez, là, hein, le Gérasénien, il part, et les autres qui ont été libérés, ils partent. Pourtant, ils étaient guéris. Ils ont suivi Jésus parce qu'ils ont été guéris, libérés, bénis. Vous voyez, donc, aïe. Pas ça. On cherche Dieu parce qu'on a été rassasié de pain. On ne cherche pas Dieu pour être vraiment une humanité de surcroît, un Christ sur la terre, qui embrasse, qui vit, revit, où Jésus peut revivre sa vie. Oui. Donc, quand on va et qu'on prêche, et ça j'encourage mes frères et mes confrères, quand on prêche une parole qui est trop, qui vient du cœur, qui est un radicalisme, d'ailleurs, un jour je l'avais dit dans un enseignement, qui est beaucoup plus facile que la médiocrité. Il est beaucoup plus facile d'être radical que médiocre. On souffre beaucoup moins. La médiocrité nous enferme dans l'esclavage des passions et du démon, tandis que la radicalité ferme des portes, hein, à des puissances spirituelles qui peuvent nous détruire et surtout nous faire perdre notre éternité bienheureuse. C'est ça qui est terrible. Et le chemin est étroit, bien sûr. Resserré, étroite est la porte. Et le chemin, par contre, qui conduit à la perdition, alors il est ample, il est grand. Hein, ça, beaucoup le prennent, hein, dira Jésus. Alors donc là, il y a ça. Ils sont scandalisés. Hein. Et Jésus dit bien, mais oui, ces paroles que je vous dis, et comment elles vont
illuminez votre esprit par la foi. Souvent, on croit avoir la foi, mais on n'a pas la foi, c'est une croyance. On a une croyance, on a une foi sociale, une foi par habitude, on va à la messe, on fait des prières même. C'est pas ça la foi. La foi, c'est moi, dit Jésus à Louisa. La foi, c'est moi. C'est-à-dire, c'est une ambiance, c'est Dieu qui se donne à nous. C'est la substance de Dieu qui nourrit notre âme, la vitalise, la dynamise, la déifie, la transforme, la spiritualise. La foi, c'est une injection de divin. Vous comprenez ? Alors, quand on n'a pas la foi, pas évidemment. On croit avoir la foi, c'est ça qui est pire. Et alors d'ailleurs, ils s'en vont tous là, ils étaient avec Jésus, regardez, ils s'en vont tous. Mais c'est extraordinaire cet évangile, c'est lumineux. C'est une loi, mes amis, c'est une loi. Et c'est bien pour vous les fidèles aussi. Quand vous êtes cherchés à un renouveau de votre foi, parce que les paroles du Christ, que ce soit dans l'évangile et que ce soit dans le livre du ciel, ce sont des paroles qui sont esprit et vie. C'est pas avec la chair, c'est pas avec une foi qui naît de la belle fraternité ou qui s'appuie sur des relations fraternelles, amicales, monsieur machin, madame machin, ou ceci ou cela, ou tel frère ou telle sœur. Ça, c'est pas la foi, ça. Ça, c'est pas la foi, c'est du copinage, hein. Qui c'est qui a la foi vraiment pour dire à son fils, non, tu ne vas pas amener une copine pendant les vacances pour faire ça chez moi, hein? Ah ben non, on ne peut pas vivre ça, on va le scandaliser, ben arrêtez là-bas. Hein? Et est-ce que vous allez dire à telle personne, non, l'avortement est un péché, hein? Est-ce que vous allez dire que la famille pour tous, c'est vraiment quelque chose qui est contre nature et qui vient du démon? Oh ben non, quand même, moi j'ai quelqu'un qui m'a dit, qui a été scandalisé parce que j'avais parlé de ça. Vous voyez, est-ce qu'on dit la vérité aux gens? Non, parce qu'on a peur. Mais même nous les prêtres, on a peur. Si je dis certaines choses, ya, celui-là il va partir, celle-là aussi, ça va être, ils vont faire une lettre à l'évêque même, et puis voilà, hein. Et bien oui, on a peur de dire la vérité. Alors, on s'entend bien avec tout le monde, on va manger chez un tel, on va faire l'apéro là, on va ici, comme ça, c'est tout le monde est content, on s'entend bien avec tout le monde, hein. Et le prêtre devient un vrai caméléon, hein. Il faut être bien avec tout le monde. Eh bien non, ce n'est pas l'enseignement de l'évangile. Jésus, ils sont tous partis, il s'est retrouvé seul. Ils se retrouvaient seuls, et encore, ils n'étaient pas partis, comme ils vont partir au moment de la Passion, parce que là, ils vont tous partir. Il n'y aura plus que la Vierge Marie et Saint Jean qui revient. Bon, voyez, c'est très intéressant. Et nous sommes, et je termine avec ça, nous sommes dans un contexte d'Église, du monde d'ailleurs, où on est très, très attaqué par le monde, bien sûr, hein, la morale et l'éthique chrétienne, et la morale catholique, oh là là, alors là, vraiment, hein, faut mettre de l'eau dans son vin, hein. Vous voyez, mais c'est un contexte, c'est dans le catéchisme que l'Église sera persécutée, que le Saint-Père sera persécuté, que l'Église sera petite, persécutée, pauvre, l'a prophétisé même quand il était cardinal, Benoît XVI. Et oui, ça fait partie, donc il ne faut pas s'inquiéter. On n'est pas là pour essayer de rassembler avec des moyens humains, non. On est là pour vivre cet évangile et dire, ben, je suis désolé, les paroles que je t'ai dites, c'est esprit et c'est vie. Hein, voilà, si tu ne crois pas, eh ben, je ne peux rien faire pour toi. Et je sais que peut-être tu vas partir, peut-être tu vas m'abandonner ou peut-être même tu vas me trahir. Mais voilà, pourquoi je te dis ça? Eh bien, parce que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. Personne ne peut aller au Christ si le Père ne l'attire pas au Christ. Et c'est là où nous entrons maintenant de plein pied dans ce message de la divine volonté, parce que nous voyons le Fils de l'homme dans la gloire. Nous voyons Jésus glorieux, nous voyons les traits de Jésus. Jésus se dépeint totalement et nous apparaît vivant. Et ils appellent maintenant parce qu'il est le bon berger, comme nous verrons demain, qui rassemble ses élus, ses petits. Il veut. Et là, Pierre, oui, j'irai où? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Je crois, même si je ne comprends pas. Je terminerai avec un beau texte de Louisa au volume 30. Ouais, il y en a plusieurs, mais bon, je vais prendre celui-là. C'est la raison pour laquelle je te parle tant de ma volonté. Parce qu'aujourd'hui, nous rencontrons bien sûr cette difficulté en parlant de la divine volonté. Bon, on sait qu'on est à la charnière, qu'on est les premiers. Je ne sais
que dans d'ici 40 ans, 50 ans, la divine volonté va être enseignée partout, évidemment. Padre Pio disait que le monde entier se remplira un jour de Louisa. Deux fois, j'ai cité le Padre Pio. C'est pour ça, de ma volonté, que je t'en parle tant avec la force de ma parole créatrice. Je les disposerai, je leur donnerai le désir, je changerai leur volonté humaine, et sachant que je veux ouvrir les portes, elles frapperont et je leur ouvrirai immédiatement afin de me satisfaire moi-même et d'avoir mon peuple heureux à qui je me donnerai moi-même pour l'échange de ma vie que j'ai donnée pour eux. Personne ne prend ma vie. Je n'ai jamais parlé sans raison, ni en vain. J'ai parlé dans la création et ma parole a servi à former les admirables choses de tout l'univers. J'ai parlé dans la rédemption et ma parole, mon évangile, sert de guide, de lumière et de soutien à mon Église. L'on peut dire que ma parole est la substance et ma vie qui palpite dans le sein de l'Église. Et si j'ai parlé et parle encore de ma divine volonté, ce ne sera pas en vain, non, mais j'en aurai les admirables effets, et la vie de ma volonté sera connue, agissante et palpitante au sein des créatures. Aussi, laisse-moi faire, et je disposerai les choses de telle sorte que ma parole ne restera pas lettre morte, mais vivra et donnera la vie avec tous ses admirables effets. Volume 30, 21 décembre 1931. Croyez et vous aurez la vie. Écoutez et vous vivrez, disait le prophète Isaïe. Aujourd'hui, le Seigneur veut un peuple qui a une foi vivante en Jésus, mort et ressuscité, une foi vivante en ce Dieu qui nous donne maintenant sa divine volonté pour retourner au point, à l'ordre et à la finalité pour laquelle nous avons été créés. Alléluia. Soyez bénis.